Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler Google Home, on va parler en fait Nest Hub, car j'ai été contacté par Laurent, car il a développé deux applications vraiment extraordinaires qui parlent du Google Home. Et ça, c'est vraiment le top, car vous allez voir que ces deux applications sont magnifiques. Elles nous renseignent sur pas mal de choses sur le monde du Google Home, sur le monde de Monsieur Home. Et c'est tout de suite sur Vision High Tech que l'on va parler de ces deux applications. Alors merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et à tout de suite pour ces deux applications extraordinaires. Félicitations donc à ces personnes qui ont développé ces deux applications. Voilà donc Laurent m'a annoncé sur mon Facebook comme quoi il avait développé avec certainement des amis deux applications et la première elle concerne donc notre Google Home préféré et vous savez que sur Vision High Tech on parle de Google Home, on parle d'Alexa, on va demander au Nest Hub de parler avec Monsieur Home. Pas de problème. Voici Monsieur Home. Monsieur Home à votre service. Mise à jour du samedi 15 juin. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées cadeaux pour la fête des papas et c'est d'ailleurs mon copain Google Home qui me les a soufflés. En effet, si vous lui demandez de l'aide pour trouver des idées cadeaux pour la fête des pères, vous pourrez entendre des messages comme si vous avez un papa poule, vous pourriez lui préparer des œufs au plat. Ou une autre idée très sympa, dites-lui combien vous l'aimez en 10 langues différentes. Eh bien, moi je trouve ça génial, pas vous? D'ailleurs, mon petit doigt me dit que pour le principal concurrent du Google Home, si vous voulez lui demander la même chose, vous risquez fort d'être surpris. Oh oui, il faut vous attendre à des réponses moins désintéressées. Et c'est bien dommage. Et pour finir, je vous rappelle que je vais bientôt vous faire gagner des Google Home Mini. Si vous voulez tenter votre chance, il faut bien évidemment écouter les news tous les jours. Mais c'est déjà le cas, non? À demain pour une nouvelle info. Vous êtes au menu principal. Choisissez entre 1. Les objets connectés compatibles Google Home. 2. Trucs et astuces du moment. 3. Dépannage express. 4. Les news de la semaine. Ou pour quitter Monsieur Home, dites au revoir. Trucs et astuces du moment. Voilà un truc à savoir. Un reset de votre Google Home remet votre appareil à neuf. Vous ne perdez pas vos routines, vos services, ni les appareils déjà associés car tout est lié avec votre compte Google. Vous souhaitez entendre un autre truc ou une astuce? Alors dites suivant, sinon dites accueil. Suivant. Voilà un truc à savoir. La Chromecast Audio n'est plus commercialisée. Vous souhaitez entendre un autre truc ou une astuce? Accueil. Vous êtes au menu principal. Choisissez entre 1. Les objets connectés compatibles Google Home. 2. Trucs et astuces du moment. 3. Dépannage express. 4. Les news de la semaine. Ou pour quitter Monsieur Home, dites au revoir. Dépannage express. Les dépannages express. Apparemment, vous avez un souci et nous allons essayer de vous aider si c'est possible. Mais si votre problème persiste ensuite, les membres du groupe Facebook Google Home France se feront une joie de vous apporter de l'aide supplémentaire. Quelle aide souhaitez-vous qu'on vous apporte parmi cette liste? 1. Le Bluetooth. 2. La réinitialisation. 3. Une Chromecast. 4. Un autre appareil. 5. Un problème de LED. Un problème de LED. Une indication lumineuse dont vous ne connaissez pas la signification. En effet, votre Google Home peut peu informer sur son statut à travers ses LED. Quelle LED avez-vous d'allumée? 1. Une LED fixe blanche. 2. 4 LED fixe orange. 4 LED fixe orange. Vous avez 4 LED orange fixes. Vous avez sans doute par erreur désactivé le micro de votre Google Home. Il y a un interrupteur situé sur le côté, vérifiez-le pour réentendre cette information. Dites, répète, sinon, dites menu. Accueil. Vous êtes au menu principal. Choisissez entre Les news de la semaine. Vous êtes dans la rubrique News de la semaine. Mise à jour du vendredi 14 juin, aujourd'hui je vais vous dévoiler une actu assez sympa qui traîne depuis quelque temps sur le net.
Et oui, je passe mes journées avec mon pote Chrome pour dénicher des infos et celle-ci va vous intéresser, j'en suis sûr. En effet, plusieurs médias rapportent qu'il y aurait un nouveau produit en cours de développement chez Google. Ce nouvel appareil n'aurait pas d'écran, dialoguerait grâce au Bluetooth et servirait de tracker pour retrouver vos objets comme vos clés ou autres objets de votre choix. Pas bête, non, il suffirait de dire, OK Google, où sont mes clés de maison et le tracker pourrait sonner. Cette fonction déjà disponible pour notre smartphone est tellement indispensable qu'à n'en pas douter, ces futurs trackers Bluetooth vont faire un carton. Et pour finir, je vous annonce pour la semaine prochaine un jeu concours qui vous permettra de gagner un Google Home Mini. Pour gagner, il faudra retrouver le Easter egg que mes concepteurs ont caché dans l'application. Ça va être fun, et si vous suivez régulièrement les news de Monsieur Home, je vous donnerai des tas d'indices à suivre. D'autres infos vous attendent sur la page Facebook Google Home France. Mise à jour du jeudi 13 juin. Nous commençons par vous annoncer officiellement le lancement de l'application Quiz de Monsieur Home. On vous attend donc pour venir tester vos connaissances en vous amusant. Nous vous informons également via une publication de Julien Travers ce que Koenig va commercialiser dans un mois, un boîtier intelligent pour rendre vos volets connectés. Autre information, Google vient de déployer la langue arabe sur Google Home. Dernière actu, nous avons lancé une nouvelle rubrique appelée Salon VIP sur la page du groupe et de manière périodique, nous allons mettre en lumière un membre de la communauté. Et pour débuter cette première session, nous avons accueilli le seul et l'unique Nico Ben. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et comme toujours plus d'infos sur la page Facebook Google Home France. Mise à jour du mercredi 12 juin, on va commencer par trois petites phrases concoctées par Google. D'abord, lancez l'assistant avec la petite phrase magique. La première phrase c'est Donne-moi une bonne nouvelle. Pour commencer la journée sur une note positive, à essayer aussi Aide-moi à protéger la planète. Et aussi pour les bacheliers en pleine révision, Google va vous motiver, demandez à votre Google Home Est-ce que je vais avoir mon bac? Et pour terminer, il se peut que certaines Android TV de Philips aient reçu une mise à jour, leur permettant d'être contrôlées par leur Google Home et d'avoir une télécommande virtuelle via le Google Nest Hub. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mise à jour du mardi 11 juin pour commencer, sachez que TF1 a consacré dans son journal du week-end un reportage sur les enceintes connectées. Si vous l'avez raté, une vidéo est disponible sur la page du groupe. Également, si vous souhaitez vous équiper en produits Google, il y a quelques promotions en ce moment chez Darty, Fnac et Boulanger. N'hésitez pas à regarder sur la page Facebook du groupe, les bons plans sont partagés régulièrement, et pour terminer cette news, une surprise arrive pour les membres mais aussi pour les autres. Monsieur Home va bientôt vous proposer une application de quiz, vous allez pouvoir vous amuser à tester vos connaissances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mise à jour du lundi 10 juin. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle en exclusivité. En effet, mes concepteurs vont vous proposer très prochainement un méga quiz. Ce jeu vous permettra de tester vos connaissances sur l'univers du Google Home et vous allez certainement apprendre plein de choses en vous amusant car l'humour est vraiment au rendez-vous pour les 50 premières questions proposées. N'hésitez pas à écouter les nouvelles tous les jours sur Monsieur Home, nous vous en dirons plus très prochainement. Avec cette deuxième application, parler avec le quiz de Monsieur Home, ils ont fait fort. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, dans leur application Parler avec Monsieur Home, vous avez des possibilités de gagner des mini Google Home. Alors n'hésitez pas à aller écouter et à aller voir ces applications, elles sont vraiment extraordinaires. Allez, on va tout de suite donc parler avec le quiz de Monsieur Home. Parler avec le quiz de Monsieur Home. Bonjour, et si on rejouait quiz de Monsieur Home et testait vos connaissances sur Google Home, vous pouvez également découvrir notre autre application Parler avec Monsieur Home. C'est parti. Première question. On peut utiliser un casque avec son Google Home grâce au Bluetooth, au port USB ou la prise jack? Bluetooth. Vous avez raison. On enchaîne avec la question numéro 2. Que se passe-t-il si je réinstalle mon Google Home avec la même adresse mail à l'issue d'un reset? Je pleure, j'ai tout perdu ou tout sera comme avant? Tout sera comme avant. Absolument. Vous allez aimer celle-ci. Peut-on lancer une double commande sur Google Home? Non. Oui ou ah bon? Oui.
Bonne réponse. Vous êtes dans votre élément. Oui, il suffit de rajouter le et entre deux commandes. On enchaîne avec la question numéro 4. Votre Google Home contrôle vos équipements grâce à quel mode de communication? La radio, le Wi-Fi ou le Bluetooth? Le Wi-Fi. Super, trop facile. Et oui, sans votre Wi-Fi, vous ne pourrez rien contrôler. Prenez donc soin de votre réseau. Voilà donc cette application développée Parler avec Quiz de Monsieur Homme. Ils ont vraiment développé deux applications extraordinaires. La première me plaît vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous plaît. Ça me fera extrêmement plaisir. On verra donc d'autres vidéos sur les applications Google Home. Dans tous les cas, félicitations à vous, les développeurs. Et on se dit donc, nous, à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech, pour des nouveaux tutos, des nouvelles présentations. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, pensez à aller voir leur application pour éventuellement gagner des mini Google Home. Salut à tous et à bientôt. Ciao, ciao.